Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvel épisode de VOD. Le live est toujours là, le live fait des bisous. Shobiti doit me faire un massage. Et bah écoute Flo, je lui passe le mot, mais je ne suis pas convaincu qu'elle se jette sur l'idée. Nous venons d'ouvrir notre rest... Tu sais quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que t'es toi? Ah! My god! C'est une blague? J'ai pas allumé les trucs. Non mais vous êtes sérieux? Mec, tu veux quoi? Fries, shack, soft drink. Ok, fries. Fries. Comment on vide ça dedans? Ah putain! Tu dois allumer les appareils. Bah je les ai pas allumés. Je crois que je les avais allumés. Merde, putain, j'ai dû les éteindre. C'est allumé là. Ok, on plonge ça dedans, très bien. Un soft drink. Il me faut un gobelet. Un gobelet. Ok, pour l'instant je choisis pas. Hop, soft drink, c'est bon. Ça, c'est cuit. Pas encore. Qu'est-ce qu'il voulait? Un shake. Un shake, c'est un truc comme ça, là. Je pense. Oh là là, la belle couleur rose vif. C'est nickel. Un shake, c'est bon. C'est cuit? C'est là-bas. C'est cuit? Ça ressemble pas à des frites cuites, hein. Non, on est d'accord. Hein. Ouais, un gros rat ou une grosse saloperie. Putain, il reste que 30 secondes là. Allô les frites? Ça y est, les frites. Elles sont parties où mes frites? What the fuck, mes frites? Ah! Mes frites ont disparu! Non! Je veux pas mourir! Ça prend plusieurs frites. Pourquoi je peux pas mettre mes frites? Non, Bob! Sauve-moi! Ah putain, elles sont là! J'avais pas vu. Vite! Oh, c'est tendu! On s'est fait baiser, je crois. Merde, on a une infraction. Qu'est-ce que tu veux, toi? Happy Deluxe, no onion, soft drink, sandwich, sandwich. Ok, bon alors attends. Ça, faut que je m'en débarrasse. On en a foutre. Un Happy Deluxe, c'est parti. On va mettre ça à chauffer. Sans oignon. Barre-toi, Bob. Hop, ça. Ça, pas d'oignon. Bim, 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 bim. Trois verres. 1, 2, 2. On peut les faire qu'un par un, parfait. C'est bon à savoir. Le steak, il en est où? Il vient juste d'être cuit. Il est efficace ce petit aspirateur robot, j'aime beaucoup. 1, 2, 3, un burger, la cloche. C'est tendu. Salmon nugget, shake, soft drink. Ok, un salmon nugget, c'est parti. Hop, hop, hop. J'aurais peut-être dû en faire d'avance. Tant pis, c'est pour moi. Ça va pas là? Si, c'est bon, c'est ça. Tu voulais quoi déjà? Un shake, un soft drink. Un shake. Hop, putain. Je... Non! Tu dois allumer les appareils. Quoi? Mais pourquoi il s'est éteint? AQH quoi? Ah, les fumiers, ils te font des coups de pute comme ça. Ok, ça c'est plein au moins. Mon salmon nugget, du coup, il est pas prêt. Non, il est pas prêt du tout. Tic tac, tic tac. Mais oui, complètement. Il en reste une minute, ça va, on est large. Allez, cuit. C'est allumé. Ouais, c'est allumé. Putain, j'aurais dû en mettre à chauffer tout de suite, je suis con.
on se détend. 50 secondes, ça va, ça fait que 10 secondes que je panique. C'est bon, c'est prêt. Salmon Nugget. Hop. 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 Voilà. Attends, la petite lumière qui devient de plus en plus rouge. C'est Bob qui éteint les machines, bah je vois pas qui d'autre. Hein. Salmon Nugget et Shake, ça va, ça devrait être facile. On va lancer ça. Tic, on va chercher un Salmon Nugget. Il est grand ce putain de restaurant là. Ton Shake. Non, la cloche. Qu'est-ce que tu fais de... Qu'est-ce que tu... T'es qui toi? Pourquoi tu te balades là-bas? Madame? Il faut pas faire ça, madame. Ok, non, si c'est une cliente. Pardon, madame. Tu veux quoi, toi? Salmon Nugget, Shake et Soft Drink. Ok, on est bien, on va lancer. Un Soft. Un Shake. Je pense que ça va être le dernier Salmon Nugget, ou pas loin. Non, pas tout à fait. Hop, un sac. J'ai mis à côté, non, c'est mis dedans. Ah, la course, quoi! Ah, c'est peut-être la bestiole hein, qui éteint les trucs, ouais. Moi, je l'ai pas oublié, Flo, la bestiole, t'inquiète pas. Putain, y'a du monde! Il reste 25 secondes, ça devrait aller. Frites, frites, potato, lettus, potatus sans lettus, ok. Et un shake. On pourra pas le finir celui-là, je pense. Il voulait des frites, non? Oui, fries, fries. Deux fries. Ah putain, j'ai pas été. Pork ping ping. Poking pork, c'était qui voulait? J'ai pas mis à cuire. Hop, c'est encore allumé, on est bien. Tu as fini ta journée! Bravo! On va enlever ça pour pas foutre le feu au restaurant. On va le remettre là. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai le truc en bombe là. Ça marche. Ouais, parce que je crois que si on laisse traîner des trucs, ils finissent par pourrir. La chaîne du froid n'est pas respectée. Quoi ? Bien sûr que si, je respecte la chaîne du froid. C'est moi ou... Machin qui était ici, il est devant la porte, là. Survivras-tu à cette nuit sombre et terrifiante où les ombres se sont transformées en un océan de regrets dans lequel tu te noies ? Ça fait pas très message d'accueil gentil, je trouve, moi. C'était marqué tout à 30 heures, là, pourquoi tu veux y aller? On peut vraiment rentrer dedans? Ah oui, on peut vraiment rentrer dedans. Quel est l'intérêt de ce truc? Est-ce que je sens le jumpscare? Non, absolument pas. Tu as trouvé un objet à collectionner, admire-le autant que tu veux dans ton appartement. Shobiti trouve ça flippant. Oh, on est dans la cage! Bon. Putain. Ah, elle me poursuit. Putain, elle traverse les portes en plus. Est-ce que là, si elle me chope, il se passe des trucs? Je sais pas, je propose de pas attendre. Tirons-nous. Mais genre, vite et bien. Ah putain, j'ai pas pointé. Non, je veux pas y retourner. Non, je veux pas y retourner. Pourquoi? Bob, mais casse-toi, c'est la fin de la journée, Bob. Tire-toi, Bob. C'est la merde.
tu comprends pas dans interdit. Mais c'est pas interdit, c'était un conseil de notre prédécesseur à qui appartenait le manuel. À moins que tu ne reçoives des instructions contraires, chaque hamburger a besoin de tous les ingrédients. Pour l'instant, on n'a même pas eu un hamburger à faire avec tous les ingrédients, quoi. À chaque fois, il y avait des trucs contraires. Ce qui va me poursuivre. Bon, il y a Bob qui arrive. Enfin, j'ai même pas fait gaffe, c'était Toe d'ailleurs. C'était, je suis pas sûr que c'était lui à la. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre des antidépresseurs dans cette pharmacie? Quelqu'un de quasiment normal. Il a juste les yeux qui louchent. Oh putain. Faut pas faire ça, faut pas passer à travers les portes comme ça, monsieur. Alors, somnifère, tu n'arrives pas à dormir, les souvenirs gros dos sont pour toi. S'ils ne te font pas rêver, nous te remboursons intégralement, une seule dose par nuit. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas 35$ à dépenser dans des somnifères. Personne, on fait pas du tout de cauchemar, c'est absolument pas notre genre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un truc de monocle. Des perruques. Parfait. C'est fermé. Power, dexterity, endurance. What the fuck is that? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut payer. On peut parier sur des chevaux. Ah d'accord, c'est un. Un petit jeu. Je sais pas lequel c'est le mien. You lose. Ça devait être le bleu sûrement. Bon. C'est pas très grave. Ça remettra. Alors là on peut rentrer par contre. Tu peux acheter et vendre des choses intéressantes ici, voler et vendre, d'accord. Seul endroit de New Asian, on peut acheter des émetteurs radio et d'autres objets exotiques. On pourra peut-être même leur vendre un ou deux trucs pour te faire un peu d'argent, mais... Essayer de gagner des sous en douce alors que tu as déjà un emploi, ce n'est pas ton genre, non? Parce que si tu as besoin de travailler, je peux te rajouter des heures. Ah oui, on peut voler des trucs à notre boulot et essayer de les vendre là, c'est ça le concept? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, c'est des bonbonnes de gaz, une radio, un panneau stop. Ok, happy la vache en mode pin-up, pourquoi pas. Sell your item for quick cash. Donc je peux genre ramener mes steaks, les poser là et ça me file de la thune. Ticket à gratter, c'est ton jour de chance, on va le savoir, gratte ce ticket. Tu as une chance sur 10 de gagner jusqu'à 20 crédits. Allez, c'est parti. Et puis prochain dans le front counter, sans Nichu. Ah, ok, je peux faire E pour gratter le truc. Bien, 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 bien. Il y a Chobiti qui se plaint que je gaspille notre argent. Franchement. Par contre, j'ai toujours pas trouvé comment mettre des objets dans mon inventaire. Hein. Je vais peut-être acheter un œil aux touches, il y a peut-être un moyen de faire ça. Alors, s'accroupir, courir, sac à dos, c'est B. Utiliser un objet, faire pivoter un objet, lampe torche. J'ai pas de sac à dos pour l'instant. Donc, il y a peut-être moyen de prendre des objets. Ou alors c'est vraiment juste les objets que je peux empiler. J'ai pas fait gaffe si quand j'avais prenais tous les ingrédients, ça empilait. C'est peut-être juste ça. Bon, il faut que je bouffe une barre énergétique. Alors, on va essayer de dormir, on verra si on a besoin d'une barre énergétique après. Je cours moins vite aussi. Je cours de moins en moins vite. Par contre, j'ai pas vu de bus quoi. Il est où le bus? Il y a aussi un truc par là. Bus service. D'accord, on peut appeler le bus pour 2 crédits. Ok. Très bien. Ça peut nous éviter de dépenser 6 balles une barre énergétique. Pourquoi pas. Les hamburgers ont la mauvaise habitude de devenir avariés quand on n'y fait pas attention.
Ouais, quand même. Salut To, tu m'en veux pas, je vais dormir, hein. Oh la vache. Attends, on dirait un zombie, quoi. C'est presque flippant. Alors, les secrets qu'on a trouvés. Top 10 Dream Job. Selfie monétisation expert. Quoi? Pourquoi t'ouvres la porte tôt? Tu veux qu'on parle? Le mec il passe dans le couloir, il ouvre ma porte quoi. Voilà. Tu as trouvé un jeton, utilise-le pour améliorer le restaurant. Cool. Et ça, je peux le prendre. Ah, donc on hallucine pas, il a l'air totalement lent. C'est rassurant, ça a l'air hyper maîtrisé leur test là. Et pourquoi cette foutue porte est fermée dans ma propre maison? Oh, peut-être mieux pas que je sache, ouais. T'as pas tort, Chobiti. Y a un truc caché dessous là. On dirait que j'ai un chat aussi, parce que ça, ça ressemble vaguement à une litière, mais je sais pas où il est. Il y a un truc là. Ah, il y a un petit bug sur l'audio. C'est le Steel and Steel. Donc on a été déplacé de l'ancienne version du Super Variant Farm à une nouvelle version super moderne. J'arrive pas à croire qu'il nous a donné des camions dans certaines de ces simulations. Donc on est bien dans un genre de simulation. Ces gens sont totalement tarés. Plutôt qu'un camion, j'aurais bien voulu un appart de luxe tant qu'à faire. Ok, là il y a les secrets, ils sont là. Alors. Paragon never left. Il n'arrêtait pas de se plaindre à tout le temps que vous avez failli nous prendre, faire prendre par une de ces choses. Nous avons commencé à travailler à ces recettes, pirateurs de clavier, bombes et plus important, le casque. Pas du tout ce qui est écrit là, non. Ça doit être l'un des trucs que j'ai un des trucs que j'ai mis à la télé. Ah, c'est la cassette que j'ai pas fini de lire, hein. Putain. Il est con. Ok, on peut les admirer à loisir, mais en fait, ouais, je suis assez d'accord, c'est un petit peu space, Soren, comme jeu. En fait, le concept, alors t'as un petit peu raté le début, mais le concept est que... normalement, j'ai fermé, quoi. Le concept est que... on nous a visiblement greffé une puce de contrôle dans le cerveau, et on se retrouve balancé dans ces espèces de simulations où on est un employé de fast-food. Faut qu'en fait, on doit préparer... la bouffe, et quand on se foire, ça rend très très vénère la vache qui est la mascotte du restaurant. Et quand elle est vénère, elle nous poursuit dans tout le restaurant en fait. Dès qu'on la regarde plus, elle bouge. Dès qu'on la regarde, elle bouge plus. Dès qu'on la quitte des yeux, elle nous poursuit. Et l'objectif, c'est de réussir à lui préparer un burger avarié sans qu'elle nous chope. Putain, il y a des citrouilles qui ont apparu partout, c'est génial quoi. J'adore. Et si elle nous chope, bah on est mort. Tout simplement. On a récupéré un petit peu d'énergie, mais c'est pas non plus ouf. Hein. On va prendre notre barre énergétique avec nous. Ouais, je suis assez d'accord pour le. Il est devenu lent comme un mec de 87 ans. Hein.
C'est un petit peu flippant d'ailleurs. Après, c'est vrai que le côté horrifique, on le voit pas tant que je déconne pas trop. D'un autre côté, on n'a pas forcément un grand bruit. Pourquoi un grand bruit? J'ignore ce que c'était, mais je te conseille de rentrer chez toi. Ne va surtout pas voir ce qui a causé ce bruit. Laisse faire les pros. La police et les pompiers de New Elysian vont s'en charger. Il n'y a aucune raison d'aller voir quelle est la cause du problème. Ou au moins, attends qu'on t'ait trouvé un remplaçant. Très bien. C'est dangereux de cuisiner seul, regarde ce pauvre tout. Allons au travail. Tu sais quoi, le four fonctionne de nouveau. Du coup, cookies et tourte chaude ont été ajoutés au menu. Prends-les sur le présentoir, jette-les dans le four et attends que ça soit cuit. Et j'ai besoin de t'en dire plus. Ouais, donc c'est bientôt en fait, il a son tablier devant, mais il a son t-shirt dégueulasse là. Ok, on allume, on pointe. Il faut ouvrir, donc on va bouffer notre barre énergétique. Ah, d'accord, je peux... Je peux en manger qu'une partie, c'est bon à savoir. On va la poser là. Elle va disparaître, bah je sais pas moi si elle va disparaître, mais on verra. Alors en espérant qu'il va pas nous déclencher un incendie l'autre là, parce que je le sens mal. On va mettre à cuire tout de suite ça et ça. S'il te plaît, ça s'est pas éteint. Allô ? Bah ouais, j'ai l'impression que cette partie là est un petit peu merdique. D'accord, ok, j'ai réussi à mettre un truc dedans. Ah, faut pas que je le clique dessus, faut que je les jette dedans. D'accord, très bien, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Hot pie, popping pork sandwich, salmon nugget, putain. Alors, il veut un hot pie. Je dirais que c'est ça le hot pie. Et il voulait un popping pork, je crois. Hop, on met ça à chauffer. On met ça à chauffer. Ensuite, tu voulais quoi? Du salmon nugget, ça cuit. Un sandwich sans tomato, un soft drink. Putain, qui c'est qui éteint les lumières? Sérieux? C'est ouvert là en plus. Merde. Ta commande. Gère ta commande. Ma commande, un soft drink. Ah, mais je veux bien gérer ma commande, mais s'il y a des saloperies qui me sautent dans le dos aussi. J'ai pas du tout fait mon burger. No tomato, on a dit. No tomato. Hop, 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 hop. Bim, 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 bim. Ça c'est cuit. Je suis pas sûr que c'était cuit, si c'était cuit. Il me le dirait, il me dit peut-être plus maintenant. Ça c'est cuit. Tac, tac. 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 Salmon nugget, ils sont pas cuits encore. C'est pas éteint. Vous voulez quoi avec son soft drink et c'était tout? Ouais. Hop. Hop. Très très bien. Putain. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression de tricher là, très honnêtement. Hein. J'ai l'impression que c'est surtout la merde. Est-ce que c'est prêt ou c'est pas prêt? Oh putain. Vous êtes sérieux, ça explose quand on s'approche trop. Faudrait que ça cuise là. Je vais perdre ma commande à cause de ces conneries. Ah putain, il reste... C'est mort. Ah là là, on a fait une infraction quoi. Parce que cette connerie de four est hyper lent. Tic tac, tic tac. Ça cuit ou ça cuit pas? Bordel de cul. Mais c'est pas plongé dedans là? Ah putain, faut que je clique maintenant. C'était cuit en fait. Oh, catastrophe. Voilà, t'es super content. Je sais que t'es super content. Une infraction. Bon. Il manquerait pas de la lumière? Oh putain, la lumière quoi.
Des frites, des salmon nuggets et un shake. La lumière. Putain, mais pourquoi il n'y a pas de verrou sur leur putain de porte, quoi. un salmon nugget et des frites. Hop, hop, un shake. Vas-y, cool. Je vais préparer le sac. Hop, hop. 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 La cloche. Hop. Bim! Tout est allumé encore, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Des cookies, des frites et un shake. Un cookie. Un cookie. Hop. Ah putain, mais non, mais vous êtes sérieux, quoi. Des frites. Non, c'est pas ça. Des frites. Et un shake, c'était ça. Le stress. Ouais, je trinque après cette commande, promis. Et un cookie. Il n'est pas cuit le cookie encore? Merde. Voilà. Un cookie. Hop là. Voilà, monsieur. Tu veux pas un salmon nugget, toi? Cookie, free, salmon nugget, parfait. Allez, hop, c'est parti, un salmon nugget pour le monsieur. Il veut quoi? Un popcorn sans pickles. J'ai oublié de fermer le truc. Prends cookie! Le cookie. Hop, on va mettre le cookie. Hop. Hop. Je l'ai bien mis là. Ouais, ça cuit. Il me faut, hop, 100 pickles, on a dit. Tac, tac, tac. On peut prendre 4 objets, ça tombe bien. Hop, il voulait de la boisson. Cookie, fries, il voulait des frites. Tac, on recharge des frites. Chobiti, mon ange gardien, mais tellement. Mon popping cork, il est pas cuit encore? Non. Mon cookie, il est cuit, mon cookie. Il y a la cookie. C'est cuit. Hop, un pain, hop. Pourquoi il y a des espèces de bruits horribles, quoi? Voilà, monsieur. Et je bois un coup. On trinque au signe. À ce niveau-là, c'est plutôt son patron. Ah. L'avantage c'est qu'on dirait que tout l'argent rentre direct dans nos poches. Hein. Tu veux quoi? Salmon nugget et un shake, ça me paraît jouable. C'est parti pour un shake, on va chercher le salmon nugget. En fait le jeu pourrait être simple, pourrait être vraiment très fun, mais alors le stress en plus du truc qui s'éteint et tout, c'est clair que ça met une pression. Ça déconne pas quoi. Putain, ils ont rééteint la lumière quoi. Cookie fry shake, ok, c'est jouable. Lumière, les lumières, putain! Cookie. Ferme-toi, ferme-toi! Il va jamais avoir le temps de cuire le cookie, c'est mort. Ok, fin de la journée. Le bonhomme il a encore changé, il regarde cette porte maintenant. C'est ça qui est marrant, bah ouais ouais, je dis pas le contraire. Là c'est marqué quoi? Delivery procedure, obtain boxing for backdoor, place boxing cheville, return to work. Return to work quoi. Bon bah on a pointé, on peut rentrer chez nous. On a perdu de la santé à cause de l'autre saloperie qui nous a pété à la gueule. Ce qui est quand même assez ouf quand on y pense. Ah, il s'est tourné, il regarde de ce côté-là maintenant. Putain. J'ai même pas regardé pour améliorer le restaurant. Ils sont où mes employés zombies? Pour l'instant, j'en ai pas. T'as raison, faudrait que je prenne la barre. Ouais, je vais manger ma barre. Et puis c'est pareil, je pouvais améliorer un truc du coup. Amélioration du gris, amélioration des boissons, amélioration du four.
Durée des événements rallongée. Je pense qu'on va améliorer le four. Non, le four, le grill, ça allait quoi. Le four fuit 20% plus vite. Le four était hyper long à cuire quoi. Ah Pour un oui, pauvre mais cookie pourquoi tu quoi. mets pas 15 cookies dans dans le four et puis écoute. Bah parce qu'ils vont peut-être pourrir mes cookies. Je sais pas moi. Ils disent que si t'attends trop, ça devient avarié et Et tout. si tu prends le sac là, tu t'en bats avec et tu essayes de le vendre à la machine? On se tire avec ça, tu Oui, penses? on se tire avec ça. On se tire avec ça. Bon, si jamais on se fait choper par des flics, c'est à cause de Chobiti. Vous êtes témoin. C'est à cause du client, il est parti sans payer, on n'aura qu'à dire ça. Nous ne sommes pas les objets. Faire cuire la viande, c'est la seule chose que je sais faire, mais au moins j'ai toujours fait en accord avec mes convictions. C'est bien, mec. Surtout, ne lâche rien. Ah, il y a un truc qui est tombé au milieu de la route. C'est vrai que j'aurais pu rentrer en bus. Coucou machine. Alors du coup, ok, je peux vendre effectivement. Bon, j'ai vendu ça 2 balles, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Et ouais, Chobiti a des bonnes idées. Mais vous remarquerez que sur ce jeu, elle intervient plus que d'habitude, hein. Visiblement, il y a un camion de pompiers qui s'est cassé la gueule tout seul. Oui, mais Une grue. on t'a dit pas les regarder, de laisser faire les professionnels. Ouais, enfin, on a fait une journée de travail, ils ont rien branlé les professionnels. Oh là là, cette magnifique. Waouh quoi. Elle est belle, hein? Elle est toute plate. Ça, c'est classe. Quoi, t'as vu un truc? Non, mais elle est toute plate. Une voix qui porte, une belle voix. Comme des petits bruits. Je n'ai même plus de barre énergétique pour me défendre. D'accord, donc il y a des vieux décors dans toute la ville, quoi. Ça veut peut-être dire que c'est en travaux. Je ne sais pas. Ouais, on est dans une simulation donc ils se sont pas fait chier à faire des trucs. Ah, on peut rentrer. Toh est ton collègue de travail, il aime la vente bien cuite et les câlins. Ok, on peut peut-être lui faire des câlins. Ce bloc diffuse du courant électrique à divers objets. Où les fils peuvent-ils bien aller? Donut overfeed. Quoi? On peut filer à bouffer à ce truc? Il faut ne jamais l'éclairer. On dirait un truc comme notre restaurant, mais en pas fini. Ça sent le cochon gris. Nous montrer ce que tu sais faire derrière les fourneaux. On peut nourrir le. On peut faire un petit burger pour lui. Hein. Ok, admettons. Power source must be turned on et not risk. Ok, il faut les tourner, il faut les allumer dans l'ordre. On a plein de steaks à varier. Graphiquement, tu peux pas faire mieux depuis Duke Nukem 3D, au moins, ouais. Je pense que. Putain, mais c'est quoi tous ces fils électriques? Il faut les mettre dans le bon ordre en plus, vous déconnez. Bon, je propose de. Hein? Il faut faire le vert. Je sens que Chobiti va nous faire une syncope, donc on va ressortir. Si on peut. Ah merde! Non! Bon, déjà on peut manger notre barre chocolatée. Ah, ça recharge que de 1. Fort bien. Il y a eu un bruit.
Ouais, tu voudrais pas nous dire pour quelle raison vous avez fait ceci, parce que ça m'échappe un peu là. Mais on peut vraiment pas repartir. Faut que je résolve l'énigme du truc lumineux. Bon, bah on va résoudre l'énigme du truc lumineux du coup. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Alors, it's color coded, remember to make smart decision. Donc, a priori, ce serait le vert d'abord, après le jaune, après le bleu clair, le bleu foncé, le rouge. Le vert d'abord. Le vert qui va au-delà de ce truc-là. Qui repart là. Qui va ici. Ouais. Non, j'ai pas envie de soulever le drap bleu, non. Étrangement, ça me dit pas plus que ça. Alors, ensuite. C'est du jaune, hein, non? Ouais, c'est du jaune. Le jaune, il était par là-bas. Celui qu'on a retrouvé la cassette tout à l'heure, là. J'aime bien le petit point d'interrogation qui met des. Qui sait qu'on sait pas où on est en bas à droite. Après, c'est un bleu clair. Oh putain. Sérieux quoi. Plutôt celui-là. Le violet? Mais il n'y a pas de violet qui parle là. Le violet? Je pense que c'est un violet. Ah non, il y a deux bleus. Moi je dirais que c'est ce bleu là. Allez hop. Ah non, ce bleu là il va ici. Il y a un blanc aussi. Il y a des symboles en même temps, donc je devrais peut-être regarder les symboles. Coup de bol, c'était bien le blanc. Smart, c'est le bleu du coup. Je sens qu'on va, mais alors crever. Ah, il y a de plus en plus de lumière. C'est cool. Et après le rouge à la fin. Attention! Ah là, je l'ai soulevé ton drap bleu. T'es content? Ouais, faut que je fasse plein de sandwichs. Putain, il me balance des trucs dessus en plus, ce connard. Ah, mais non, mais en plus, il y a des saloperies qui arrivent. Non, mais vous rigolez ou quoi? Ah putain. Fuck. Un qui est cuit. Je tire pas du tout assez loin. Mon burger, il est où mon burger? Donnez-moi mon burger. Putain. Ah! Ils ont cramé mes steaks. Oh là là, mais sérieux, quel enfer quoi. Alors des zombies explosifs, il faut le dire. En plus mon burger, mon steak, il arrête pas de tomber, là, il cuit pas du tout. Ah, j'ai trop d'objets. Putain, il y en a déjà plein d'autres qui arrivent. Viens là, toi. Bordel. Il le mange même pas? Utilise des objets pour trouver le moyen de résoudre tes problèmes. Merci, quoi. Peut-être que je vais mettre dans un sac. Oh putain. Oh là là. Ils sont partout. File-moi le burger. Je peux le reprendre. Les objets offerts par l'environnement. Est-ce qu'il y a un truc à sac quelque part? Il faut que je lui mette dans un sac peut-être. Je peux toujours pas sortir. Non. Merde.
tout ça. Ok, je peux regagner un petit peu de vie avec ça. Ah ! Ah putain ! Il disait qu'il aimait pas la lumière. Non, il disait que les lumières devaient rester allumées. Parce que sinon il pourrait être instable. Putain, mais j'en fais quoi est-ce que je peux livrer mon burger quoi ? Y'a pas un foutu truc à sac ? Et sur le truc bleu, le drap bleu. Le drap bleu. Le drap bleu ? Ah, je pourrais peut-être le poser sur le drap bleu, t'as raison. On va essayer de ça. Allez hop, on est reparti. 1, 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. La tomate, hop. Les steaks, ils sont pas encore prêts. Ma vie est en train de se casser la margoulette. On va aller reprendre une canette. On va dépenser tout notre argent en canette peut-être, mais on va surtout dépenser notre argent pour rester en vie. Le steak, il va être cuit entre temps. Putain, toujours pas. Allez. Il est cuit. Ça, il faut les faire péter, voilà. Ah merde, il y en avait un autre. Putain, mon steak est parti où? Vous êtes sérieux? Quoi? Oh là là. Bah ouais. Me jette des trucs à la tronche en plus. Et merde. Bon. Ah, on recommence là. Ah putain. Bon bah d'accord, ça redémarre cash. Alors déjà, on va mettre pause 2 secondes. Essayer de lui amener les zombies explosifs, c'est une possibilité, c'est vrai. On pourrait essayer de lui amener les zombies explosifs. J'ai pas trouvé d'endroit où choper des sacs pour lui déposer ses commandes. Et quand on est rentré, il y avait un petit truc qui nous disait montre-nous ce que tu sais faire au fourneau. Donc il y a probablement un truc à faire avec les burgers, mais j'avoue que là, j'ai pas trop d'idées. On pourrait essayer de lui amener les zombies explosifs. Je vais boire un petit coup et on va arrêter la VOD là par contre avant. J'espère que cet épisode loufoque vous a plu. On commence à sentir le côté un peu wololo quoi. Hein. Et si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, vous avez droit à une gorgée d'eau.